Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. L'aigle a atterri. Hansi Flick a été repéré par Elena Condis de Copé alors qu'il était conduit à Barcelone par un chauffeur privé. Flick est arrivé dans la ville en compagnie de son super agent Pini Zahavi. Le duo s'est dirigé vers un hôtel en attendant sa présentation par le Barça. Le tacticien allemand sera officiellement présenté mercredi, selon Gérard Romero. Voici Flick en route vers son logement. Le président du Barça, Joan Laporta, et le directeur sportif d'Eco sont déjà dans les bureaux du club pour finaliser la résiliation de Xavi avant que Flick ne signe son nouveau contrat. Hansi Flick a accepté de baisser son salaire et de signer pour Barcelone, selon le journaliste crédible Javier Miguel. Flick gagnera un salaire fixe de 3 millions d'euros par an, ce qui est assez bas comparé aux 12 millions d'euros bruts perçus par Xavi. Cependant, le Barça versera à Flick 1 million d'euros supplémentaires s'il remporte la Ligue des Champions et 750 000 euros supplémentaires s'il remporte la Liga la saison prochaine. Tous les détails du contrat de Flick seront signés une fois le contrat de Xavi définitivement réglé et son staff indemnisé. Le départ de Xavi du Barça a été confirmé depuis, mais il est peu probable qu'il parte seul. Plusieurs joueurs du Barça pourraient dire au revoir au Blaugrana aux côtés du tacticien en difficulté. Jetons un coup d'œil au numéro de maillot qui pourrait être libéré lorsque ces joueurs quitteront le club. Numéro 2. Joao Cancelo est incertain sur son avenir au Barça. Le fait de recruter définitivement le joueur de 30 ans coûtera près de 40 millions d'euros au Barça, et Manchester City pourrait carrément rejeter une nouvelle offre de prêt du Barça. Le Barça est coincé entre le marteau et l'enclume. Il est inquiétant de constater que Cancelo n'est pas vraiment impressionné pendant son année au Barça, en particulier en défense où ses erreurs ont coûté cher au club, comme on l'a vu dans le Classico. Numéro 4. Barcelone valorise Ronald Araújo quels que soient les problèmes qui ont suivi cette saison. Mais le joueur semble demander plus que ce que le Barça peut se permettre. Le Barça pourrait bien être tenté de se débarrasser du grand défenseur. Après tout, il pourrait obtenir 80 à 100 millions d'euros pour sa signature, ce qui pourrait alléger son fardeau financier. Numéro 14. Le cas curieux de Joao Félix laisse les journalistes et même les protagonistes perplexes. Le Portugais n'a pas brillé lors de son prêt d'un an, ses 10 buts sont autant qu'Ansu Fati a réussi au même poste la saison dernière et un de moins que Fermín López qui est un milieu de terrain. Selon Fabrizio Romano, le futur patron du Barça, Hansi Flick, décidera du sort de Félix, c'est du 50-50e pour l'instant. Numéro 17. Le départ de Marcos Alonso du Barça est déjà acquis. Le défenseur n'a pas impressionné durant les deux années qu'il a passé au club. Il n'a même pas été sélectionné dans l'équipe du Barça pour son dernier match de la saison. Des sources affirment qu'Alonso est sur le point de signer à l'Atlético Madrid en tant qu'agent libre. Peut-être pourra-t-il y relancer sa carrière. Numéro 18. Il faudrait un gros revirement de situation pour qu'Oriol Romeu reste au Barça au-delà de l'été. Le milieu de terrain a été recruté l'été dernier et a bien débuté sa carrière au Barça, mais sa forme a baissé et il n'a jamais réussi à se relancer. Romeu est pressenti pour retourner à Gérone en catimini. Il pourrait relancer sa carrière sur son ancien terrain de jeu. Numéro 19. Si Xavi n'avait pas quitté le Barça, Vitor Roque aurait presque certainement été prêté ou même vendu. Le départ de Xavi lui donne une nouvelle lueur d'espoir. Cependant, Flick a travaillé avec Lewandowski au Bayern et pourrait toujours préférer son vieux compagnon d'armes au jeune brésilien. Cela pourrait signifier que Roque partira quand même à la fin. Numéro 20. Xavi voulait que Sergi Roberto reste, car il estimait le capitaine du club. Avec le départ de l'entraîneur espagnol, le renouvellement de Roberto est maintenant en suspens. Le milieu de terrain espagnol pourrait encore rester au Barça, mais ce n'est que si le club ne parvient pas à recruter un nouveau milieu de terrain. Barcelone a officialisé la prolongation de contrat du talent de la Masia, Hector Fort. Le jeune homme de 17 ans a signé un accord le liant au club jusqu'en 2026. Le jeune joueur a intégré l'équipe première grâce à ses qualités, après que Xavi lui ait offert ses débuts en janvier 2024. Fort a joué 10 matchs avec l'équipe senior, contribuant à 3 passes décisives. L'adolescent espagnol préfère évoluer comme arrière droit, mais il se débrouille également bien à gauche. Xavi l'a d'ailleurs utilisé à ce poste lors de certains matchs cette saison. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.